Le cinéma, en tout cas la danse contemporaine, était intrinsèquement lié. Et depuis une bonne vingtaine d'années, les chorégraphes se sont emparés de ce média pour venir s'exprimer autrement que l'on ne peut le faire sur scène. Un film qui a été primé, c'est un documentaire expérimental qui nous a séduit par ses inventions plastiques à travers de multiples supports. Donc voilà, ce film interroge le rôle des photos de famille, des joies qu'elles montrent et des violences qu'elles cachent. Aussi, c'est un film personnel, émouvant et qui, je pense, peut trouver une résonance dans chacun de nous. Le prix est attribué à Between Delicate and Violence de Cyrine Bahar Demirel. Alors notre lauréate nous offre une peinture intime des moments de sa vie et de sa famille qui se transforme en puissant témoignage de résistance. Avec une grande sensibilité, elle saisit une lutte silencieuse, rendant ce court documentaire à la fois profondément émouvant et d'une grande pertinence. Nous avons attribué le prix de la compétition documentaire Benin Doc au film exceptionnel A Move de Eloé Ismaili. On aimerait attribuer le prix Passe Culture au court-métrage documentaire d'Anastasia Pavlovitch-Kolundzik nommé Petra. On œuvre ambitieuse, un film sans parole, un récit simple mais bien construit. Selon les dires. L'absence des dialogues amplifie les sensations. Nous étions vraiment énormément touchés et pris par ton film. Donc c'était une évidence pour nous. Merci beaucoup déjà au festival d'avoir sélectionné le film. Un grand merci au jury de l'avoir récompensé. Et c'est toujours un grand plaisir de pouvoir présenter son travail chez soi. C'est un grand honneur et c'est la deuxième fois que j'ai la chance de présenter un film dans ce festival que j'affectionne particulièrement. Et c'est la deuxième fois que le travail est récompensé. Donc un grand merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme vous l'avez compris, nous sommes ici pour élire les deux prix, donc la sélection du cœur et le prix étudiant de la sélection européenne, donc qui est constitué 8 programmes. Et on va commencer du coup par élire le prix du coup de cœur. Et du coup, ça revient à l'humanité, avec l'humanité qui convient de Kasper Chyszynski. Le court-métrage qu'on a décidé de faire gagner, on l'a trouvé très juste. Et c'est celui de Camille Fleury à Mariotte. Merci. Alors. Le prix du public est attribué à Namarei de Léa Jade Orlier. Voilà.